Crisis Remaster épisode 2. Go. Simonus. Achieved with CryEngine. Achieved with CryEngine. En forme ou quoi? Au calme. Cappuccino. Industriel moisi. J'ai chié une merde aussi grande que moi. Tu veux tout savoir? Une autre merde industrielle aussi là. Cookie Arizona. Une marque inconnue. Alors pour 100 grammes. 26 grammes de matière grasse dont acide gras saturé. 13 grammes, glucides 58 grammes dont sucre 32 grammes, fibres alimentaires 4 grammes, protéines 5,5 grammes, sel 1,2 grammes. Donc un gros morceau de graisse et de sucre. Matrix, mais ça a le goût du chocolat. Incroyable. ASMR. C'était une OPSP pour Arizona Cook. Un placement de produit.
En vrai, ça va, j'ai plus que 3 kilos à perdre. Dans un mois, on n'en parle plus. On a besoin d'aide. Oui, je me disais, la musique est incroyable. Et quand tu regardes le compositeur, en vrai, la musique d'intro, c'est Hans Zimmer. Pour ça qu'elle est bien. Bah ouais, c'est vrai. C'est que la musique d'introduction, je crois aussi. Hein. Je crois pas qu'il en ait fait d'autres pour le jeu. Ben, franchement, si t'as la dalle. Une raclette, ça te cale pour 3 jours. Quel enfer. J'ai tapé à peine la moitié du paquet de fromage en vrai. Oh ouais, Elden Ring, ça. Du loin, bah c'est le. Il a eu le GOTY en même temps. De toute façon, il y avait personne en face. Il y avait personne en face qui faisait le point en vrai. Je devrais recevoir le SSD là. Assez rapidement. Dans les jours qui viennent en vrai. Q Q. La fin ou quoi? Alcatraz, on est toujours là. On a encore accès au flux de la nanocombi. Je vais t'apporter autant de soutien que possible, mais j'ai pas une grosse marge de manœuvre. Pour l'instant, contente-toi de rejoindre la lance. Je te couvre, t'en fais pas.
Oh merde. Mate un peu le vélage sur ce truc. Alcatraz, écoute. L'ensemble est relié à la structure du lithonef. C'est plus qu'instable, ça risque de lâcher à tout moment. Attention aux pertes de tension. J'ai fait un estimé comme ça. Encore 5 missions. Ton pronostic, c'est 5 missions. Ok. Je peux vraiment descendre comme ça là ? Ah, il y avait un truc là, non ? Part en sucette. Holy motherfucking dear bitch. Suck my dick. Faut des armes là. Si un jour on est capable de modifier l'ADN pour supprimer toutes les allergies. Je me la fais modifier tout de suite. Je peux le ramasser ça ?
courage. Il est où? Activé. Camouflage activé.
On l'a bien baisé là. Fais pas de vieux os, mon vieux. Reviens vite par ici. Incroyable. Suicide man. Il y a un employé ici, il était supposé être rendu l'heure qu'il est à un endroit à 1h d'ici et il est dans la à nettoyer la table. Putain alors. Alors lui il est payé gratuit lui. Si tu veux le terme exact. Il est payé gratuit. Incroyable. Ça fout les boules quand même ça. Surtout que vous avez pas l'air d'être comment d'être des bâtards, tu vois. Comment je fais pour passer là? Ah mais je suis con. Passe là-dessus en vrai. Ah non, j'ai pas le droit. Ils sont pas sérieux là. Il va revenir à 7h du soir. Ouais mec, on se partage le véhicule de la compagnie. Ah ouais putain. Ah ouais donc t'es obligé d'attendre qu'il rentre pour pour le prendre quoi. Sinon s'il te casse trop les couilles.
Tu mets un truc de géoloc. J'avais installé ça pour des ambulanciers. En fait, les employés, ils abusaient trop, tu vois. Et du coup, il m'a fait installer ça. Et là, il l'avait dans le cul. Il les avait tous dans le cul, là, en vrai. Ils ont tellement abusé qu'à la fin, c'est eux qui se sont fait niquer. Ah, t'en as déjà? D'accord. Parce qu'on pouvait savoir la vitesse du véhicule, genre, tu vois, voir s'ils étaient en excès de vitesse ou pas, tu vois, pour les amendes. On pouvait voir si la portière était ouverte ou fermée. Si le véhicule était à l'arrêt ou pas. Du coup, ils pouvaient plus mentir, tu vois, ils pouvaient plus dire oui, bouchon, machin, oui, nanani, y a plus rien qui marchait en vrai. Ah, ça fait tout ça, bah. Ils l'ont dans le cul, hein. Là, quand tu l'appelles... Ah, c'est toi qui l'as, d'accord, bah voilà, là, il l'a dans l'os, là. Ouais, il essaye de gagner artificiellement de l'argent, là. Il part tard pour allonger sa journée, comme ça les heures sont... Il revient tard, machin, alors qu'en vrai, il fait rien, quoi. Abusé. Parce que je suppose qu'il est bien payé en plus. C'est ça le pire. La joie, c'est transport et après nettoyer. Ah ouais, il fait ménage. Et par faire le transport après. Il gratte. On va voir s'il finit le transport avant et rentre plus tôt, ça. Il est un peu toc. Ah ouais, je... Ouais, il est pas normal, genre. Ouais, donc... tu tolères parce que tu sais qu'il est pas... Les deux neurones sont pas connectés. La connexion se fait pas bien. Ouais, il est juste un peu bizarre, quoi. Ah ouais, il parle tout seul, genre. Il devrait faire streamer. Va être bon.
Ouais, je vois un peu le truc. Il veut nettoyer avant parce que ça, c'est fixe. Et après, il part et une fois qu'il a fini la tournée, il sait que c'est fini, tu vois. Ça doit l'emmerder de revenir en vrai. Ah mais bon, après, s'il est bien payé, tu vois, voilà quoi. Bon, quand tu travailles chez Amazon, je comprends, tu vois, parce que c'est des rats, tu vois. Là, c'est des rats de laboratoire, hein, ils t'exploitent jusqu'à l'os. Mais bon, quand t'es dans des petites entreprises comme ça, tu vois, c'est tranquille. T'es payé correctement, pas la peine de... d'en vouloir toujours plus, quoi. Mais les clients lui a... Ah ouais, d'accord. Il lui arrive, c'est rendu à un autre employé. Hein? Oh, c'est quoi tous ces meubles, hein? Attends, j'ai une armée dans le fion, là. Il faut peut-être que je les bute pour pouvoir passer. Ils sont trop là. La merde. Je suis auto... Je suis auto-grenadé, auto-C4. Ouais, super. Ah, c'est des... Quoi ce bordel? Fais pas de vieux os, mon dieu. Viens vite par ici. Viens vite par ici, ouais, je suis venu, mais... Je crois qu'en vrai, je peux pas les buter, tu vois, ils sont trop... Ah merde! Les putains des aliens, bordel. Les sotofucks. Il doit avoir un problème là. Il va falloir que tu sautes, ben ouais. Je saute où? Dans le lac? Alors ça doit être le lac ailleurs en vrai. Il doit y avoir un autre passage ailleurs. Ouais, c'est compliqué le management en vrai, une relation interpersonnelle. Il faut trouver une accroche émotionnelle, tu vois, en vrai. Mais bon, on va te prendre pour un fou si tu fais ça. En vrai, il faut... Après, tu peux le faire dans ta tête, tu vois, mais...
Il faut genre que tu faudrait que t'aies un un cahier avec la psychologie de chacun, tu vois, pour savoir comment comment les prendre en vrai. Pour pas qu'ils te cassent les couilles. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un a décidé de te faire chier, tu vois, il peut bien t'emmerder en vrai. Ou alors, vu que t'es au Canada et pas en France, il va chercher, il va aller pointer à Pôle emploi, comme on dit. Tu verras si c'est mieux ailleurs. Si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça c'est Emploi Québec. Et quand il reviendra la queue entre les deux jambes, tu lui feras un contrat moins bien payé. Ça lui fera les fesses. Ah oui, Emploi Québec? D'accord. Ils l'ont trouvé rapidement, quoi. Bon, après, si c'est juste ça, je pense que ça peut se régler. Hein. Ça va se régler, tu vois. Mais bon, j'avoue que c'est casse-couille, tu vois, si à chaque fois tu dois être en permanence en train de... De regarder s'il essaye de te niquer, c'est bon. On a eu 2 ans de subvention salariale. Ah ouais, Carrie Attack, ouais. Ouais, voilà, il y a. Ça, on va dire que l'un dans l'autre, ça va quoi. C'est pas insurmontable. En vrai, c'est pas les pires. C'est pas les plus fourbes, quoi. Je vais mourir, non? Alors attends, si je peux pas passer par là, par là, par là, je fais comment? Mais même sauter, je pouvais pas là. Ça commence à être relou là. Fais pas de vieux os, mon vieux. Reviens vite par ici. Ah, ou alors il fallait que j'aille à droite là. En hauteur. Et en face là. Va falloir que tu sautes, mon vieux. Non. Il y a la flèche bleue. La flèche bleue, elle me dit c'est derrière là. Mais je peux pas traverser. Et j'ai un mur invisible genre là. Ah, c'est à l'intérieur du tuyau peut-être, non? À qu'ils aillent se faire. Sérieusement.
Bah surtout que je suis passé au-dessus, tu vois. Même au-dessus, ça paraît logique, tu vois. Tu sais, t'avais le mur invisible, tu vois. Ils auraient pu te laisser la possibilité de passer au-dessus, au moins, quoi. Parce que là, tu vois le mur invisible, tu te dis c'est soft lock, donc on peut pas passer par là, quoi. Je crois que c'est le pire élément de gameplay, le mur invisible. J'avoue, niveau 172 de HTML. Façon, personne n'a rien vu, à part toi. Quelque chose qui restera secret. Ils sont camouflés, Alcatraz. Ils sont sur vous. Ils sont sur vous. Camouflage activé. J'ai plus d'armes, plus rien là. Comment je rentre? Ok. Ils sont énervés. Je vois pas comment rentrer en vrai dans le vaisseau là. Infiltrer le NF et dévier la spore dans la structure.
Ah voilà. L'ordre vient tout juste de devenir effectif. C'est dingue, il faut vraiment le faire. Alcatraz, pars-toi, tout de suite. Écoute Alcatraz, la Spore réagit. One Punch Man. Cherche des câblages cyborg dans les murs. Sers-toi de la combinaison pour les sortir. Incroyable. One Punch Man. Putain, je l'ai jamais vu One Punch Man. Faudrait que je le regarde en vrai. Hey, Maccabée. Tu reviens de loin. Au final, tu me croyais pas. J'aime bien le Japon, mais j'ai une. C'est ce que je comptais faire. J'ai pas une bonne culture du manga en vrai, de l'anime. Hargreave avait raison. La combi a changé la donne. Suicide Man. Ils m'ont envahi. Les SF. Ils m'ont envahi. Fallait que je rompe le lien avec la combi pour ne pas perdre le contrôle. Et toi, t'étais là, devant moi, en train de crever sous mes yeux. Mec, fallait que je tente le coup, pour te laisser finir ce que j'avais commencé. C'était notre seul espoir. Et sache que ça ne concerne pas que New York ou que Lingshan. Loin de là. Les Sèvres sont là depuis très longtemps, depuis toujours. Ils ont construit partout. Absolument partout. Assimilation terminée. La mise. Mais c'est loin, très loin d'être terminé. Pour toi et moi, Marine, c'est trop tôt pour mourir. On doit y retourner. On a besoin de l'eau. Seriez-vous juste retrouvé à Central Park. Le porteur de la nano-combinaison de Jacob Hargreave. Attendez, calibre le signal. Voilà qui est mieux. Laissez-moi me présenter. Karl Ernst Rasch, à votre service. Et vous-même? On m'appelle Prophète. Ah c'était la... c'est la fin. Je m'attendais pas à ce que ça soit la fin en vrai. C'est un cliffhanger, t'as vu?
Finito terminares. Merci infiniment pour ton soutien, Simone. Je crois que t'as l'icône du top. Top Beatles. Finito terminares, mec. Os Beatles. Ah ouais, il est bien le jeu. Surtout quand tu te remémores la date de sortie, quoi. Si tu regardes la date de sortie, Crysis 2 Ah ouais, t'as donné plus que 10$, attends, je vais te dire. Je vais te dire exactement. Crysis 2, 22 mars 2011. 22 mars 2011. Je vais te dire en bits. Et je vais sur Simon. Sheer list. C'est où le total? bits. Dabo, combien de mois? Plus 3 mois, tu vois. Donc t'as donné plus que... Et en dollars, attends, ça fait combien? Je vais... Revenu. Là, je vois 8$, période précédente 2,04$. Ça fait 10$. Période d'avant. Ah ouais, c'est ça, t'as donné 10$ de bits. Et plus 3 mois d'abonnement de sub. Ça va vite en vrai, t'as vu? À coup de 1 bit. À coup d'un bit, bordel. À coup d'un bit dans le fion. T'inquiète, y'a pas de soucis. Bien déjà, 10$. Ça fait 2 tacos. Teva Tierli, PDG et président. Farouk Tierli. Ah putain, c'est des Turcs. Des Turcs, je crois. Teva Tierli. Ouais, d'accord, il est allemand, mais. Farouk Tierli, c'est des Turcs. Tierli est né en Allemagne dans une famille d'immigrés turcs originaire de Giersen. Putain, je savais pas que Crytek en vrai, je pensais que c'était bulgare, c'est turc en vrai. Ouais. Je savais pas que les Turcs ils savaient faire des jeux vidéo. Plutôt bien en vrai, hein, au final. Crytek. Donc Crytek, c'est turc. D'accord. Organisation fondée Crytek.
Pas pris n'importe qui pour le soin, Hans Zimmer. Je me disais, Farouk, c'est pas bulgare. Hein. Dans ma tête c'était bulgare, j'ai dû confondre avec Il y a du monde hein, infographiste, 3D senior, 3D junior. C'est du people hein. Bon, en même temps, si tu mets Hans Zimmer sur ta bande son, tu peux pas te permettre de faire de la merde. Effets spéciaux. Best AQ. Texture. Type audio. Oui, il y a quand même un paquet de monde sur le gamin. Quand tu vois la liste. Faut les payer les salaires là. T'as plutôt intérêt à ce que ton jeu il se vende là. Bon après c'est vrai que j'ai ragé un peu sur les murs invisibles, mais bon, 2011. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Hein. 2011 quand même. Il y a 11 ans. Quand tu vois les merdes qui sont capables de sortir encore en 2022. En vrai, ça va. Hein. Depuis que j'ai été chier, je me sens plus léger, Simon. Tu vas chier une raclette. T'as l'impression de d'avoir fait un régime. Bon, je vais préparer le prochain. Crisis 3. Remaster.
Ouais, y a pas de problème, Simon, t'inquiète. C'est normal en même temps, tu taffes, hein. Moi, je suis comme un prisonnier, là, tu vois. J'ai tout mon temps pour me branler, en vrai. C'est comme si j'étais en prison, là. J'ai tellement pas vu la lumière du jour que... Le jour où je vais arriver au Canada, c'est comme si je... Comme si je sortais de prison. C'est presque une métaphore, mon gars, j'avoue. Ah ouais. J'avoue. Non, c'est toi là en plus. Toi non. Ah non. Ah ouais, c'est énorme quand il sort. Il brûle comme un vampire, mon gars. Le gif est incroyable, hein. Forks Elspoon. Ouais, il en a plein là, genre, je suis en train de voir. Ah, c'est ceux de G4 TV, attends. Ils sont sur Twitch. C'est un show à l'américaine, c'est un peu. C'est G4, attends. Je retrouve le truc. Ah, j'oublie. Oh là là. Fuck. C'est G4 TV, je crois, c'est ça là. DMCA. Ce qu'il y a sur ces gifs là, c'est les mecs de ces G4 TV là, c'est un show à l'américaine, je crois. Gaming, mais. Quand tu regardes comment c'est produit, tu vois, c'est très américain, mais c'est pas mal en vrai. Moi, j'aime bien, moi. Baiser sur Twitch, ouais. Présente pas mal de jeux indés, tu vois, hors opération commerciale, quoi. Je connaissais pas. C'est humour très américain, genre burlesque. Burlesque, sitcom un peu, tu vois, mais ça va, c'est pas mal. Hein. Un peu à la Devolver Digital, tu vois. Dans le même esprit un peu déjanté, quoi.
Ouais, bah sur Twitch, eux, ça fait pas longtemps aussi, hein, je crois qu'ils y sont. Mais voir leur site. Leur YouTube, peut-être. Ils font régulièrement des lives, tu vois, bah, quand il y a des events surtout. Le Reddit, je crois, je l'ai pas par contre. Non, je vais faire rejoindre. Leur site. Ah, le site n'existe pas, DNS probe. Ok, bon, bah, il n'y a plus qu'à préparer. Il n'y a plus qu'à préparer. Oh, remaster. Sincère remerciement à nos familles, amis et admirateurs pour leur soutien jusqu'à la fin. Vous avez aidé à y parvenir. Ils l'ont écrit dans toutes les langues ou pas? Ah, ils ont été édités par EA? France, Hugo Ouvrard. Ouais, c'est fini lui. Il était chez Microsoft pendant un moment. Mani, mon gars. Ah ouais, les QA testeurs. Ils ont pris des Roumains, bordel. Ils devaient être au bout du budget, là. Garde la liste. Ils ont employé toute la Roumanie pour faire le... Assurance qualité. Incroyable.
Dehors, il fait déjà noir. J'ai lu, il faisait déjà noir comme dans le trou du cul d'un noir. Et t'as mis un... t'as mis un ours. Ouais, j'ai lu ça. Bordel. J'avoue, canadien, pas américain, c'est vrai. Oh, ici, il fait nuit tôt, là. Bah, un peu près pareil que toi, tu as vers 17h. Hein. Non, 18h plutôt. Vers 18h plutôt, en vrai. 16h17, j'avoue, ça fait hein, en plein après-midi. Ça joue sur le moral, ça aussi. Hein. J'avoue que c'est en plein après-midi, il fait nuit. Hibernation, Hibernatus. Bon allez, j'installe Crysis 3 et je relance le live. C'est une expression typique d'une partie du Québec. Il est déjà noir comme le trou du cul d'un ours, comme dans le trou. J'avoue que ça doit être foncé à l'intérieur du cul d'un ours. Équivalent. Je veux dire une expression genre du Québec profond quoi. Québec ancré. Ah d'une partie du Québec, d'accord. Ah oui, comme le. Genre le nord de la France, ouais, le Pas-de-Calais. C'est vrai que le Pas-de-Calais il est souvent moqué, tu vois. Méprisé, genre moqué, mais. C'est des gens super gentils en vrai. Ils sont accueillants, tu vois. Avenue Derli. Le Pas-de-Calais. Les pires, c'est les Parisiens, je pense. Alex Pataglia.
Allez, next game. A tout de suite, Branlos. Sur Crysis 3 Remaster.